En autant qu'on a la conviction que le patrimoine naturel qui est là vaut la peine d'être protégé, ça suffit pour déposer une demande. Je suis un membre de l'Association des riverains du Grand Lac Saint-François. On a décidé de s'engager dans la création d'une aire protégée. Lorsqu'on a vu l'appel à projet, on était super contents. Notre intérêt, nous, ici, c'est vraiment de protéger la rivière de l'Or, qui est vraiment l'épine dorsale de notre aire protégée. C'est une rivière qui est encore en très bon état, qui est en même temps la source d'approvisionnement d'eau de la ville de Thetford. Ce qu'on aime ici, c'est qu'en quelques minutes, on a l'impression d'être très éloigné de la civilisation. C'est très attirant si on peut aller faire de la marche, de la raquette, du ski de fond. Avec l'aide de l'équipe de la SNAP, ça va très bien de ce côté-là. On a des conseils, on a du suivi. Le processus est assez aisé. Tout baigne, je pourrais dire. Ça prend une bonne motivation, ça prend des gens qui sont capables d'avoir du temps aussi un peu pour s'impliquer. On est content d'avoir une nouvelle chance de créer cette aire protégée-là, enfin.